Hé chien, on fait un test aujourd'hui? Hé, on fait un test aujourd'hui? Ouais, on va faire un test aujourd'hui. Bonjour tout le monde et bienvenue au studio de Poche. Aujourd'hui, je vais faire un test de matériel, mais je me dois, avant de commencer, par honnêteté, de vous dire que cette vidéo est sponsorisée. Pas par les pubs sur lesquelles vous avez cliqué skip au début de la vidéo, non. En fait, il y a de ça quelques temps, il y a Alex d'Avantech qui m'envoie un mail et me dit « Écoute, je t'envoie un flash, tu veux pas le tester dans une vidéo ?» Donc oui, je vais tester le flash dans une vidéo, mais comme je l'ai dit à Alex, je suis pas là pour lui sucer la bite, donc s'il y a du mal à dire sur le flash, je le dirai aussi. Je suis pas là pour faire bêtement de la pub, payer et tout. Donc juste sachez que j'ai reçu un flash à l'œil, par courrier, dans le but de le tester. C'est très bien dit. Donc commençons tout de suite. Le voilà, c'est le Aperlite YH500. YH500C, for Canon. Parce que le YH500N c'est for Nikon. Donc on va voir tout de suite. La boîte, à la limite, on s'en branle. Sauf si, allez, c'est marrant, il y a tout qui est jaune et noir comme chez Nikon. Sauf que c'est pour Canon. Mais bon, au pire, on s'en fout. Voilà. Alors, nous avons dans ce qui est tombé Avantech Customer Service Card. Instruction Manual of. Ouais, on va peut-être y jeter un œil quand même. Et ça, je suis pas un grand spécialiste de la question, mais je dirais vaguement que c'est le pied du flash. Solide. Ah oui, hein, voilà. Ah, je note quand même un truc, tant qu'on est dans les détails. Hein. La griffe flash au-dessus, elle est en plastique, comme sur à peu près tous les pieds de flash que j'ai vus. Par contre, chose qui n'est pas forcément systématique, le pack Kodak, il est en acier. C'est bien. Bon, on va peut-être pas s'éterniser là-dessus, on va voir quand même la bête. Donc, le flash vient dans un petit sac qui est un sac. Oui, bon, moi personnellement, je pense pas avoir l'usage de ce genre de choses. D'habitude, vous m'avez déjà vu dans les vidéos, ce genre de détails, je ne prête pas de grande importance. Disons juste que ça a l'air étanche à la pluie. Bon, ok. Par contre, ça protégera peut-être pas des chocs, c'est un peu fin. Il y a du tissu dedans. Ouais, bon, ça protégera, mais pas forcément des chocs. Bon, voyons la bête en elle-même. Première impression, c'est un peu. Ça fait un peu made in China. Bon, je dois quand même vous dire, j'ai peut-être oublié de préciser ce détail, c'est un flash à 70 boules. Donc, ça va pas être un 600EX de chez Canon qui va coûter 10 fois le prix. Forcément, il va falloir s'attendre à quelques petites différences, et je dirais que la première, c'est la construction, qui est un petit peu plastique, même si... Bon, la tête du flash a l'air raisonnablement robuste quand même, hein, je veux dire, c'est pas pire que sur les autres flashs que j'ai vus. Le sabot a l'air plutôt bien, le système de fixation est le même que chez Yongnuo, mais pas que chez Canon. Mais il marche très bien, je veux dire... J'utilise le même chez Yongnuo depuis quelques temps maintenant, donc c'est bien. Bon, le plastique fait un peu cheap, mais globalement la construction a l'air plutôt bonne. Hein. Bon, on va passer à l'essentiel, on va quand même mettre des piles dedans. Chien, tu fais pas de bruit pendant la vidéo? Non. 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 Tu fais pas de bruit pendant la vidéo? Non. 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 Ah, t'es un sale chien, moi, je vais t'attraper, moi. Je vais attraper le chien. Je vais attraper le sale chien. Et tu peux plus aboyer, tu peux plus aboyer maintenant. Et voilà. Bon, revenons-en à nos moutons. On va voir ce qu'il a dans le ventre, quand même. C'est le plus intéressant. Des piles. Des piles. Les piles se mettent à la verticale. Non, juste pour dire que ça change par rapport aux autres flashs, mais on s'en branle, je crois. Plus, moins, plus, moins. La trappe du flash est un peu raide.
construction un peu plastique, machin. Bon, ça marche, hein. Ah ouais, faut juste le coup de main, en fait. Bon, ok. On va tester tout ça sur un appareil. Un bruit de bébé qui meurt qui s'allume. Bon, je pense que c'est de la... le zoom. Zoom. Oui. Je sais pas si on voit quelque chose, mais... Ça marche bien. Alors, nous avons comme mode TTL, M. Il y a trois petits flashs, ça doit être strobo. Slave 1, Slave 2, et c'est tout. Et c'est très bien. Comme bouton, on a mode pour changer de mode, ce que je viens de faire. Zoom pour changer de zoom. Pilote, ça va envoyer un éclair. Voilà. Je sais pas si vous l'avez vu, puis on s'en fout. Et ça, ben c'est un bouton aussi, donc ça c'est juste l'indicateur de recyclage. Hein. Ah, j'ai peut-être oublié un truc, on va faire un tour du proprio quand même. Là, j'ai vu qu'il y a une prise, ça doit être... Ouais, ça c'est la prise PC. Enfin, pas PC pour mettre sur l'ordinateur, mais le câble flash, quoi. Là devant, ça doit être un truc aussi, ouais. Ça, c'est la... Une prise secteur. Alors, il n'y a pas d'adaptateur secteur ou un truc qui est inclus avec, mais a priori, on a une prise secteur si vous shootez chez vous et que... Vous voulez pas torcher 12 paquets de piles, ça bien. Bon, ok, là je voyais un petit récepteur, donc on doit pouvoir le contrôler à distance. Slave 1, slave 2, ça doit servir à ça. Et maintenant, on va voir donc ce qu'il vaut sur l'appareil. Alors, première chose, l'appareil me le détecte, donc c'est bien. Alors, dans le menu contrôle speed light externe, ça marche, donc le truc est reconnu. Mesure ETTL2. Je sais pas si c'est du ETTL2, mais l'appareil accepte ce réglage, donc voilà. Réglage fonction flash. Non, alors ça marche pas depuis l'appareil. Donc on a accès au réglage du flash, mais... Enfin là, je viens de tester le zoom, et le zoom, il dit rien. Donc ça marche pas. Je viens de régler le zoom sur 50, il est resté à 24. Et là, je retourne dedans, il est à 24. Donc si je fais 50, et que je retourne dans le menu, et ben là, il a détecté le zoom à 50. Mais il ne me le met pas à 24. Bon, j'avais entendu déjà un truc sur ce flash, c'est que on peut voir les réglages depuis l'appareil, mais on ne peut pas forcément les faire depuis l'appareil, il faut les faire sur le flash. Ce qui est... extrêmement dramatique, hein. Je veux dire, plutôt que d'appuyer sur un bouton là, vous appuyez sur un bouton là. Waouh ! Non, mais sinon, il est reconnu par l'appareil, ça c'est déjà bien. Maintenant, on va voir ce qu'il vaut en tête le. Laika ! Bon, elle a dû aller faire une connerie, donc tant pis, je vais prendre une photo de rien. C'était quoi ça ? Vous voyez ce que c'est ça, que je me fous dans la gueule, voilà, ça, c'est un faisceau d'assistance autofocus, sur un flash à 70 boules. Waouh, c'est pas mal. J'avais déjà parlé de ce truc-là dans une vidéo antérieure. Ah oui, les 10 trucs et astuces, vous pouvez faire la mise au point dans le noir complet avec ça. C'est plutôt cool. Le seul truc, donc, ouais, il est reconnu par l'appareil. Il est contrôlé en puissance par l'appareil. Par contre, le reste des réglages, c'est directement sur le flash que ça se passe. C'est pas grave. Par contre, j'ai juste envie d'essayer un truc. Le flash, le zoom du flash est commandé par l'appareil photo. Donc, il faut, si vous faites une correction d'exposition, vous la faites sur le flash, le zoom est commandé automatiquement, la puissance du flash est commandée automatiquement, ouais, donc il n'y a pas grand chose non plus à faire sur le flash, quoi. Bon, je vais quand même regarder un petit peu ce qu'il y a dans le mode d'emploi, parce qu'il y a peut-être des trucs que j'ai zappé. Donc, nombre guide 58, donc pour ceux qui ne maîtriseraient pas, c'est la distance à laquelle on voit l'éclair du flash dans le noir, sans ISO, machin. Mais bon, il faut pas le prendre comme une valeur absolue, mais peut-être plutôt comme une valeur relative par rapport à d'autres flashs. Genre mon 430 X2, il est annoncé à 43, celui-là il fait 58, donc il est plus puissant. Voilà. Je shoot rarement quelqu'un à 57 mètres la nuit, sans ISO, donc bon, voilà. Une idée de la puissance, quoi.
Wireless Trigger Sensor. Donc oui, a priori, on peut le commander à distance avec un truc. On peut le brancher, comme je disais, effectivement, avec la prise ou l'alimentation externe, qui n'est pas fournie, mais ça existe. Compatible ETTL2. Bah voilà, comme ça, c'est, on le sait. Donc c'est ETTL, mais... Enfin, TTL, mais ETTL2, quoi. Enfin, bon, merde, ouais, merde, hein. Oui, tout le reste, j'ai dit. L'écran LCD, il marche bien. Je peux... Enfin, non, je peux pas vous montrer là la vidéo, mais... par exemple, les flashs Yongnuo, quand on les regarde d'en bas, si on les a mis sur un pied, on voit que dalle sur l'écran. Celui-là, il se regarde dans toutes les directions. C'est bien. Support Frank Curtain Synchronous, c'est synchronisation premier rideau. Ok. Rear Curtain Synchronous, ouais, flash au second rideau, ok. Détection automatique de surchauffe, oui c'est bien pour éviter qu'il nous explose à la gueule, donc il se coupe automatiquement si jamais il a trop chaud, c'est bien. Fonction mémoire, donc en gros si vous mettez des réglages dedans, a priori il les conserve. Bon. Je vois peut-être juste pas de synchronisation ou de vitesse, ou alors j'ai mal pigé. Quand j'ai répondu à Alex de Avantech, quand il a dit je t'envoie le flash et tout, je lui ai dit ok, mais t'es au courant que si c'est de la merde, je dois le dire. Hein. Il m'a dit oui, t'inquiète. Ah bah je vois pourquoi, parce que bah c'est pas de la merde en fait. Il est bien. À 70 boules, moi mes autres flashs à 70 boules, ils sont pas TTL, ils ont pas le faisceau d'assistance autofocus. Donc non, franchement il est pas mal. Alors forcément, sur un test comme ça, c'est difficile de dire s'il est fiable sur la durée. Après, j'ai envie de vous dire la même chose qu'on dit pour les Yongnuo. Qu'est-ce que t'en as à foutre si t'en flash, il claque au bout de 2 ans. Il t'a coûté 70 boules. Donc franchement, il se met en veille tout seul aussi. C'est un détail, hein, mais bien. Il y avait écrit sleep mode. Bon, okay. Non, il est bien. C'est sûrement le genre de matos que j'aurais pas acheté par moi-même. Parce que je me serais dit, oui, bon, flash 70 boules, machin. Les Yongnuo sont juste bien, mais TTL, machin, truc. Je pense pas que je l'aurais acheté par moi-même. Mais en fait, il est vraiment pas mal. Vous savez quoi? Bah, je vous le recommande. Voilà. Franchement. Je suis agréablement surpris, il est vraiment bien. Aperlite YH500C, donc enfin 500, C ou N en fonction de votre appareil photo. Vous savez quoi, je mets un lien dans la description de la vidéo, où vous pourrez le trouver sur Amazon. Un bon flash Cobra pour débuter, et même peut-être pas pour débuter, mais si vous voulez maintenant en acheter 4 d'un coup pour les foutre je sais pas où, parce qu'il a un mode esclave, donc vous pouvez le contrôler à distance. J'ai rien de... Allez, si je dois dire un truc négatif, ouais, la construction est peut-être aller plus light que sur un truc à 500 boules, c'est sûr. Il faut bien faire des économies quelque part si tu veux le vendre à 70 boules ton flash après. Mais franchement, ouais, non, il est bien. Je comprends pourquoi chez Avantech ils me l'ont envoyé. Je pense qu'ils étaient sûrs que j'en dirais du bien. Et c'était pas promis d'avance. Donc, non, franchement. Voilà, Arnaud Thierry vous recommande le Aperlite YH500. Bon, ben, je crois qu'on a fait le tour de la question. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce vert. Si vous trouvez que j'ai vendu mon âme au diable, mettez un pouce rouge. Si vous n'avez pas aimé cette vidéo, bon, de toute façon, vous êtes déjà plus en train de la regarder. Et si vous voulez voir les autres vidéos, donc le studio de poche.fr, la page Facebook pour les news, tout le reste, enfin vous savez comment ça marche, hein, normalement. Et puis voilà. Aperlite YH500C, voilà. À la revoyure.